On s'apprête à voir votre œuvre un peu partout demain. Ça va être assez impressionnant. Oui. Je pense qu'on peut voir d'ailleurs un petit montage des gagnants, voir à quel point la fierté qu'ils ont à pouvoir soulever le trophée. Arborer ce trophée. Ça doit être super agréable pour vous de voir qu'est-ce que vous avez créé et puis c'est vrai. Des millions de fois. Et puis voilà, on a justement les grands du monde du cinéma qui ont cette partie de moi chez eux. Ah oui. Donc Pierre Richard, par exemple, ou Nathalie Baye, ou tous les Belges qui sont les frères Dardenne qui sont primés. Donc je suis chez toutes ces grandes personnes, donc c'est un plaisir. On a un exemplaire ici, je vais essayer de ne pas l'abîmer avec mes mains contaminées. Voilà, je le tiens vraiment du... C'est vraiment pour éviter... Voilà. Donc, un super-héros qui est inspiré d'une affiche, forcément, de 1958, de Magritte. Sinon, ça ne ferait pas vraiment beaucoup de sens. Et quand on voit le trophée, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de le tenir? Alors, justement, c'est vrai que c'est un objet qui doit, si je peux me permettre... Ben oui, allez-y. Qui doit être porté, qui doit être mis comme ça. Donc, il faut qu'on puisse le prendre dans une seule main aussi pour voir le... Et donc, il faut qu'il ait un certain poids, mais pas trop de poids non plus. Pour pas que Nathalie Baye se casse le bras. Voilà, par exemple. Ou que le trophée ne se détruise. Donc, il n'y a pas de partie qui se détruise. Donc, c'est un seul volume. Et donc, ça a été donc sacralisé par cette sphère, en somme, qui n'est pas sur l'affiche. Et donc, c'est aussi un travail qu'on a fait donc, de mettre... en 3D, interpréter une image 2D, donc en 3D. Et donc, on a un résultat qui est évidemment différent, mais qui est reformaté, si on veut, Magritte. Et vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit en une seule pièce pour qu'il ne soit pas cassable. Est-ce que ça veut dire que quand on a gagné un Magritte, parfois, on va faire la fête et c'est possible que... Oups! Mais oui, voilà, parce que ça m'est arrivé aussi de recevoir des trophées de design. Ah ouais. Et donc, c'est vrai que souvent, on vous donne ça en main sur scène. Et puis après, la soirée continue. Et donc, on ne sait plus quoi en faire. Moi, ça m'est arrivé de l'oublier dans le taxi. Ah oui! en fin de soirée. Et donc, il peut arriver plein de choses. Donc, c'est important de pouvoir le porter facilement. Ou éventuellement, qu'on vous le prenne à un certain moment, qu'on vous le mette dans une boîte pour vous le rendre quand vous partez définitivement, etc. Il est arrivé des trucs avec ce trophée-ci? Vous avez une tête à... Genre, vous avez une tête à... Il y a une anecdote et j'espère qu'on ne me pose pas la question. Donc, sans vouloir mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce qui est arrivé à ce trophée-ci? Il est arrivé des trucs? C'est vrai qu'en cours de chemin, on a eu une adaptation parce que donc, d'abord, j'étais très, très fidèle à l'affiche. Et donc, il y avait une inscription au moment inoubliable du cinéma, mais qui était un peu fragile. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un ou deux petits problèmes de soirée animée, etc. Animée? Et puis, après, on a simplifié les choses. Et donc, finalement, cette inscription se trouve ici. Elle est gravée. Et donc, incrustée, gravée dans la sphère. Et comme ça, il n'y a vraiment plus aucun risque. On peut le manipuler. Autrement dit, il faut que les plus grands du cinéma puissent le prendre et un enfant de 2 ans ne puisse pas le détruire. C'est ça, plus ou moins, le briefing. Ouais. Et maintenant qu'on a un spécialiste des trophées avec nous, j'étais curieux parce que moi, quand je regarde des cérémonies, j'ai mon avis sur les trophées, mais qui ne voit absolument rien. Et je serais curieux d'avoir le vôtre. Par exemple, les Oscars. On voit le trophée de l'Oscar. Qu'est-ce que vous en pensez de ce trophée-ci? Il est bien fait? Ah ouais, je le trouve super. Je le trouve très, très bien. Classique, épuré. Hein? Ça correspond à une image du héros américain, peut-être, etc. On a les Césars dans un autre style. On dirait la matière première dans laquelle ils ont fait l'Oscar, qui était, tu vois, il restait un peu plus longtemps au micro-ondes, celui-là. Ouais. Voilà, bon, moi, évidemment, j'adore le César, plus que tous les autres, parce que donc, il porte aussi le nom de son créateur. Ce qui n'est pas le cas ici, d'ailleurs, mais bon, c'est... Peut-être que donc là, César, le sculpteur César, qui est un très bon, un fabuleux sculpteur français, donc a pu faire cette compression. Et donc, c'est son nom qui est le trophée. Donc, c'est vrai que c'est assez unique dans cette création de trophée. Donc, le trophée porte le nom du créateur du trophée. Ici, donc, c'est un trophée qui s'appelle le Magritte du cinéma. Mais vous avez quand même mon nom qui est écrit en dessous. Donc, en gros, les gens doivent le porter comme ça, le trophée. Ben, merci beaucoup. Donc, demain, c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir donné ce trophée. Oui. Il y a aussi une cérémonie parodique des Magrittes à chaque année qui s'appelle les Machins. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le trophée qu'ils offrent aux Machins. Les Machins du cinéma? Les Machins du cinéma. Ah, j'ai pas encore c'est, ben, regardez le trophée, c'est une moule d'or qui offre. En tant que grand spécialiste, que pensez-vous du génie derrière la création de ce trophée? Jalousie? Je suppose que non, ça fait référence à Marcel Brotard, c'est évidemment l'artiste qui faisait les casseroles de moules et donc qui est donc un symbole de l'iconographie belge, comme Magritte. Vous avez une belle, un beau talent de diplomate. Vous avez bien compris. On disait tout à l'heure, vous avez fait plein de choses, pas juste forcément, vous n'êtes pas qu'un designer de trophées. Vous avez aussi gagné en 2010 l'appel d'offres pour Bruxelles, pour revamper un peu les abribus de Bruxelles. Et ça a commencé normalement, ça commençait.
c'est... Voilà, on le voit à l'écran, oui. C'est Ottawa, c'est ça, les nouveaux abribus, donc 2700 abribus. C'est un projet qui a commencé vers 2008-2009, donc finalement j'ai gagné ce concours en 2010, donc on est en 2016 aujourd'hui. Ouais. Et donc ce concours a été validé par tout le monde, parce que donc j'ai gagné ce concours parce que j'ai, chaque détail qui était demandé en cahier des charges a été respecté, solutionné. Et donc aujourd'hui, bon, ben, y a un peu des retards. mais c'est rare, les retards avec le transport en commun, c'est, donc, faut c'est pas paniquer. Donc c'était une de mes activités. Je suis dans différents secteurs d'activité, mais moi, ma principale activité est le mobilier, donc pour des marques italiennes ou aussi pour des galeries d'art, donc en série plus limitée. Et donc ça c'est. Ah oui, vous avez une cinquantaine d'expos déjà à votre actif. Et puis j'ai eu récemment en Belgique, à Bruxelles, une très belle expo botanique. Oui, c'est cet automne. Ouais. En septembre, voilà, et qui a duré jusqu'au novembre, et qui était donc un beau. Résumé de mon parcours dans le mobilier. Quoi. Et je voulais savoir, vous qui êtes donc un spécialiste, vous êtes capable de revamper des villes, vous créez des choses belles. On a beaucoup parlé de Bruxelles dernièrement. Est-ce que vous trouvez que Bruxelles est une belle ville ou une ville un peu moche? Bon, si vous insistez, je vais répondre à cette question. Que voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, il y a urgence de faire quelque chose pour le paysage urbain, donc l'espace public. Tous les abribus sont dégradés, il y a des retards dans les décisions politiques alors que tout le monde a y gagné, ça ne se fait pas, alors que voilà, ça ne coûte même rien aux contribuables, ça va rapporter de l'argent aux communes, etc. Et donc il y a des blocages qui sont inexplicables et qui font que ce projet, donc, pour uniformiser dans le bon sens du terme donc, la région bruxelloise dans un modèle unique et qui fait qu'on s'identifie à Bruxelles. Enfin, voilà, tout ça est retardé, malheureusement. Mais le piétonnier, ça va. Oui. Bien sûr, non, mais bon. Non, mais je ne sais pas les fois. C'est juste, ça fait juste rire parce que. Je sais que vous avez parlé des tunnels aussi l'autre jour. C'est... Là, évidemment, ça ne va pas. On devrait revamper les tunnels. Déjà, faire passer les bagnoles dedans, ça serait top. J'ai juste commencé par ça. Ça serait un bon. Il est beau, mais les bagnoles ne passent pas. C'est le seul problème du tunnel. Mais le reste, il est canonissime. C'est quoi les prochains projets? Parce que vous êtes exposé en permanence dans plein de villes. Oui, j'ai quelques musées qui ont pris certains de mes modèles en collection permanente à Paris, à Amsterdam et aussi aux États-Unis. Et donc là, je prépare le Salon du Meuble de Milan. La prochaine échéance, c'est le Salon du Meuble de Milan qui a lieu chaque année au mois d'avril. Et donc là, j'ai des collaborations avec des marques italiennes, mais aussi, donc c'est un marché qui est de plus en plus présent, la galerie. Donc des pièces uniques ou de séries très limitées. Parfait. Qui font que donc on peut utiliser des matériaux beaucoup plus nobles. Donc c'est une autre variante du design qui est moins pour tous, mais qui a aussi son intérêt en termes de recherche formelle. Ça se voit que vous êtes passionné justement par la nouveauté, et les trucs. On rappelle en plus que parmi vos créations, il y a ceci. Donc demain, les lustres du cinéma belge, ne manquez pas ça.